Bonjour et bienvenue dans cette série de tutoriels sur Kidam Studio. Nous allons ici exporter un modèle depuis Kidam vers un moteur de jeu vidéo. Pour ce faire, nous allons utiliser un workflow depuis Kidam vers Unity en passant par 3D Studio Max. Premièrement, dans Kidam Studio, nous allons créer notre personnage de base, l'optimiser pour le temps réel et pour l'animation, l'exporter au format QDM. Dans 3D Studio Max, nous créerons un système de cinématique inverse, réglerons les maps et préparerons un cycle d'animation. Enfin, dans Unity, nous allons récupérer le modèle au format FBX, régler les problèmes avec les affichages des maps et récupérer l'animation pour pouvoir l'utiliser dans le moteur de jeu. Nous allons commencer dans Kidam Studio par sélectionner un model pack, c'est-à-dire une base de données de personnages, qui va nous permettre de créer le personnage que nous désirons, en l'occurrence un militaire. Donc pour nous faire notre soldat, nous allons nous baser sur la base de données Homme, Men. Ça, c'est les presets, ici. Et donc on peut choisir un personnage déjà réalisé ou charger la base par défaut simplement en sélectionnant Men et en cliquant sur Load base. Une fois la base chargée, dans Kidam, le personnage apparaît avec des habits et une tenue par défaut. Pour la navigation dans le logiciel, le clic droit de la souris permet de pivoter autour d'un modèle. Le bouton du milieu permet de faire un pan et de se déplacer. La roulette permet de zoomer. Le premier module du logiciel est le Studio Combine, où on peut assembler les différentes parties du personnage. En l'occurrence, on peut soit choisir la partie ici dans l'onglet à gauche, soit en sélectionnant sur le corps du personnage en cliquant et en laissant appuyer, on peut aller sélectionner les parties de corps avec les tenues déjà faites. Moi, je veux une tenue de militaire, et donc il y en a une qui existe, donc je vais l'utiliser. Voilà la tenue de militaire. Je vais ensuite aller changer ses chaussures et lui mettre des bottes. Voilà. Je vais ensuite aller m'occuper du visage. Je veux déjà supprimer ses cheveux et utiliser une casquette. Je veux lui faire un visage plus creusé. Celui-ci, par exemple. Pourrait aller changer les lèvres, à faire avec genre des lèvres fermées, bien serrées. Il n'a pas l'air content, c'est parfait. On va lui changer son regard pour qu'il soit un peu déprimé. Comme ça ira. Il faudra modifier la ligne du front, mais on le fera après dans le studio d'animation. Alors, on pourrait aussi modifier la courbure ici. Elle est prévue pour recevoir la ceinture, donc on va lui la mettre, ça sera plus facile. On va choisir dans les props ici, qui sont des éléments qui s'ajoutent au personnage, qui seront skinés automatiquement. Donc on va lui mettre la ceinture. Et on va supprimer les éléments qui ne nous servent à rien. En l'occurrence, à l'intérieur de la bouche, il y a la mâchoire. Alors, je vais passer vite fait dans un autre module pour ouvrir et vous montrer. Il y a la mâchoire et la langue. Ces éléments ne m'intéressent pas. Donc, je vais aller les supprimer dans le Studio Combine en cliquant sur la partie supérieure de la mâchoire, la partie inférieure de la mâchoire et la langue. Je vais aussi remplacer le globe oculaire par un globe oculaire plus simple. Ça ira pour le Studio Combine. Je pense qu'on a fait le tour. On aurait aussi pu rajouter le sac à dos, mais ça va nous encombrer plus qu'autre chose, donc on ne va pas le garder. On va passer ensuite dans le studio de proportion. Ici, on peut, en sélectionnant les bones, qui sont visibles au survol, ou alors en sélectionnant le squelette entier, on peut modifier les proportions des différents éléments. Plus grossir les bras, plus grossir le corps, l'affiner, et ainsi de suite. On peut utiliser ces réglages-là particuliers ou alors utiliser les presets en affinant la tête simplement en cliquant ici et en affinant le corps ici. Ça m'ira comme ça. On va pas aller en détail là-dedans. On va maintenant passer dans l'onglet de modélisation, le sculpting. Donc on a des outils qui nous permettent de resculpter notre modèle. Nous allons changer la ligne du front pour lui faire un regard un peu plus sévère. Comme ça ira.
Est-ce qu'on a autre chose à modifier? Non, il paraît bien. On voit qu'on a un maillage assez dense. Et pour le modèle de jeu vidéo, on n'a pas besoin d'autant de polygones. On va donc désafficher les textures, afficher les lignes de construction du maillage. Et on va aller on est en mode de subdivision 1, on va passer en mode de subdivision 0. Actuellement, les lignes qui sont affichées sont les isolines, qui sont les lignes de construction du maillage, mais il y a 4 fois plus de polygones. Si je passe en mode inférieur en 0, on voit que je n'ai plus le lissage, j'ai juste les polygones tels qu'ils sont placés, ce qui va me permettre d'avoir un vrai personnage low polygone dans notre personnage de jeu vidéo. On va réafficher les textures et enlever l'affichage des lignes. Ce sera parfait comme ça. On va ensuite passer dans l'onglet suivant qui est l'onglet de posing. Mais on va y revenir après, puisqu'en premier, on va aller d'abord s'occuper des textures. Pour les textures de notre personnage, le vert classique militaire ne me plaît pas. Je vais aller en sélectionner un autre. En faisant un simple clic sur le personnage, je peux changer la texture. Prendre la texture militaire, grise, l'appliquer sur les bottes, la casquette et les bottes, voilà. Elle est appliquée partout, ça ira. Je vais rajouter une lampe pour voir de derrière. C'est pas trop mal. Je vais lui changer un peu la couleur de la peau. Et donc, je peux aller ici choisir une autre couleur de peau. Ici, par exemple. Je vais changer la couleur des yeux. Je veux des yeux qui se voient de loin. Des yeux très clairs. Peut-être trop clairs. C'est ceci. Ça ira. On va lui rajouter de la barbe. Donc je vais sélectionner sur les cheveux la barbe ici. Je peux la rendre plus ou moins visible avec les réglages. Mais ça ira comme ça. Les cheveux en gris, ça sera bon aussi. Pour les textures, ça sera bon. Nous allons maintenant nous occuper du posing. Donc, en prévision de l'animation dans 3D Studio Max, nous avons plus qu'intérêt à modifier les bones directement dans Kidam Studio. Si je rends tous les bones visibles, on va voir qu'actuellement, il y a une courbure vers l'intérieur des jambes, que la courbure naturelle des jambes n'est pas forcément très marquée. Pour les bras, elle est marquée, mais ils ne sont pas forcément parfaitement alignés. On va aller modifier ça. Alors, d'abord les jambes. On va les redresser comme ça. Comme ça, on va se mettre parfaitement de face en cliquant sur l'icône ici. Là, ça a l'air assez droit. On va maintenant se mettre de profil. Et aller modifier la courbure des jambes pour qu'elle existe. Ça ira, on va aller s'occuper du pied. Alors le pied a un alignement un peu de travers. Voilà. Alors le deuxième bone ici ne sert à rien uniquement parce que nous n'avons pas des pieds nus, nous avons une chaussure. Avec les pieds nus, nous aurions pu sélectionner séparément le gros orteil des autres doigts de pied. On va utiliser l'outil pour déposer le personnage au sol. On vérifie qu'il est bien au sol correctement. Donc on voit que la position des pieds n'est pas forcément bonne encore. On va le reposer au sol. Il a l'air de toucher à l'arrière et à l'avant. Ça a l'air d'être mieux. On va aller pouvoir s'occuper des bras. Alors les bras, on va baisser un peu la ligne des épaules et remettre les bras le long du corps. Il y a des presets de pose qu'on pourrait utiliser, mais là en l'occurrence, comme on veut une pose neutre et idéale pour la création des chaînes de cinématique inverse dans 3D Studio, on ne va pas utiliser les presets qui existent. Donc on voit bien que là les bras ne sont pas forcément droits. On va tourner un petit peu ici. De côté, on va marquer un tout petit peu plus la courbure.
Et on va aller s'occuper des mains pour les mettre dans une position au repos neutre. Donc on pourrait utiliser, on a aussi des presets qui ne concernent que les mains, ça qui nous permet d'avoir les poings fermés. Ça va nous servir de base, mais on ne veut pas des poings aussi serrés. Mais on veut une main relâchée. Voilà. On va cacher le squelette pour voir l'allure générale. La position du pouce n'est pas idéale encore. Eh bien, ça ira. Notre personnage esquiné est posé au sol. Il a la bonne position pour l'étape suivante dans 3D Studio Max. On va pouvoir l'exporter. Donc, fichier, export. Dans le dossier, j'ai créé un dossier pour mon soldat. Je vais l'exporter au format QDM, qui est le format propriétaire de Kidam. Soldier 05. Enregistrer. Dans les options, on ne veut pas de la pose neutre, c'est-à-dire la pose qu'il avait par défaut en chargeant la base de données. On veut la pose qu'on a créée nous, donc on va décocher l'option Export Neutral Pose. On va laisser tout le reste tel quel, ça ira parfaitement. Vérifiez quand même que Export Bones and Skinning est bien pris en compte, sinon vous n'aurez qu'un fichier 3D. Et on valide. L'étape suivante sera dans 3D Studio Max l'importation et la création des chaînes cinématiques.